nous voit le bateau. Des cauchemars. Tire au-dessus de toi. Cauchemars. Maman me parlait d'eux. Je pensais pas qu'ils existaient vraiment. Des cauchemars? Oui. Ils te donnent des cauchemars. À moins que ce soit eux, les cauchemars. Je me souviens plus. Atreus, avec moi! C'est bon, j'arrive! Qu'est-ce que c'est que ce truc? Regain de santé. Voilà. Là-bas. On atteindra la montagne bien plus vite. J'arrive pas à croire que je suis ici, en train de faire tout ça. Il y a pas si longtemps, je pensais que je quitterais jamais nos bois, ou même mon lit. Ce n'est pas ta faute si tu as été malade. Oui, je sais. C'est juste une façon de dire que je suis content. Voilà la montagne. On est tellement proches. On arrive dans la mer. Comment tu le sais ? À l'odeur. Si la mer sent comme ça, alors elle pue. Regarde ça, c'est Thor. Thor, le dieu du tonnerre. Lac des Neufs. Je pensais que t'écoutais pas quand maman parlait des dieux. J'écoutais rarement. A-t-elle déjà parlé d'un dieu qui ne ressentait pas la douleur ? Oh. Ça doit être Baldur. Baldur. Mon dieu As, fils d'Odin et de Frigg. Et Odin est leur roi. C'est ça. Pourquoi cette question ? Je crois que
que je vois quelque chose. Là-bas, en plein milieu du lac. Il y a des runes sur sa poitrine. J'arrive pas à les déchiffrer d'ici. Il est écrit « Sacrifie tes armes aux profondeurs de l'eau, tire de son sommeil le berceau du monde. » On doit jeter nos armes dans l'eau, c'est ça? Ça sera pas un problème pour toi. Est-ce que tu vas le faire? La hache n'est pas revenue. Ah, problème. Beaucoup mieux maintenant. Le niveau de l'eau a baissé quand le serpent en est sorti. Oh, ça explique pourquoi cette plage n'était pas là avant, tu vois? Et là, c'est la montagne. Regarde, ce bâtiment relie le pied de la montagne au temple doré. Tout était caché juste sous la surface. Sauf la statue. Heureusement, hein. Il y a même un quai, là, à côté du drapeau. On va d'abord sur le quai, pas vrai? On sera les premiers à poser le pied dessus depuis une éternité. Que sais-tu à propos de ce serpent? C'est un des géants. Il est tellement grand qu'il entoure le monde et mord sa propre queue. Une exagération. Je sais pas, il m'a paru plutôt grand. Oh, attends. C'est pas ça. Non, ça marche pas. Bon. C'est là depuis combien de temps? Alors. Voilà, le serpent monde. Depuis très longtemps. C'est le chemin pour la montagne? Il semblerait. Ce serait pas notre grand balèze barbu et son avorton? J'ai justement quelque chose pour vous. Brock? Mais comment as-tu... Mêle-toi de tes oignons! Et venez plutôt par ici, j'ai quelque chose pour vous. Et pas la peine de lorgner sur mon coin. Je l'ai vu en premier. D'accord. Qu'est-ce qu'il veut d'après toi?
mettre notre patience à l'épreuve. Quand les gens sauront que j'ai ouvert un nouvel atelier, ils sortiront de leur trou. Ils se battront comme des chiffonniers pour admirer mes créations. C'est moi qui vous le dis. Attrapé! Vous voyez ce tas de pierres? Grâce à cette clé d'Yggdrasil, vous pouvez ouvrir une porte magique vers les branches de l'Arbre-Monde. Une sorte de raccourci entre les royaumes. Si vous en croisez au cours de votre voyage, utilisez-les pour revenir me voir rapidement. Mais ça ne fonctionne que dans un sens, et ça ne vous mènera qu'ici. Oh, et très important, ne quittez jamais, 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 jamais le chemin. Sauf si vous tenez à mourir. Non, je vois pas pourquoi on ferait ça. On fera jamais ça. À l'atelier. Alors, les talismans, les pommeaux disponibles dans l'atelier. Sous nos tailles. Oui, mon garçon. Quoi d'autre? J'espère que c'est ce que tu voulais. Alors, voilà. On reste dans le coin pour causer un peu. Ouais, on peut monter à l'étage. Qu'est-ce que c'est? Une corne. En voilà le bout. On peut souffler dedans? Sans savoir ce qui va se passer. Bah, on a poussé tous les boutons et tiré sur tous les leviers qu'on a croisés. Parce qu'on savait ce qui allait se passer. Cette fois, c'est différent.
On va devoir développer ton instinct. Je le savais. On va souffler dans la corne. Non. On va tester ta détermination. J'ai de la détermination. Plein même. Je soufflerai pas si tu souffles pas. On peut pas souffler dedans. C'est parti. Ah, il y a des gens. Et des Kratos. Ouais, ok. Avec un peu de chance, cette tour mène à la montagne. Je suis prêt. Je connais pas ces runes. Si on retrouve le code, je pourrais les traduire. Ah, c'est un ascenseur, d'accord. J'arrive toujours pas à les lire. Je te l'ai dit, on devrait revenir avec un code. Encore un de ce côté. Regarde, c'est le serpent monde. Il est beaucoup plus grand que je l'imaginais. Oh, regarde, il a mordu Thor. Ou... il le mordra, plutôt. C'est quoi ça? Ça pue. Ça c'est pas bon ça. Essoufflé.
de code scriptural. On devrait chercher les autres. Et là, ça va où? Moi, ça revient par là. C'était quoi exactement? L'odeur est épouvantable. Ta mère les appelait des poteaux d'infamie. Ils libèrent du poison. C'est elle qui m'a appris à les neutraliser. Quoi? C'est drôle de penser qu'elle ait pu t'apprendre quelque chose. C'est vrai. Ah, mieux fait d'appeler ça les poteaux qui puent, hein. Il y a du brouillard par ici. Un autre nain? Est-ce qu'on... Non. Ne fais pas attention à lui. Excuse-moi, mais... Où as-tu trouvé cette hache? Ça ne te regarde pas. Oui, je te le concède bien volontiers, mais je connais cette arme. C'est une de nos œuvres, mais... nous ne l'avions pas faite pour toi. Écarte-toi. C'est impossible. La femme pour qui on l'a faite, je suis très attaché à elle, et je serais vraiment très chagriné si je devais apprendre que... tu lui as fait du mal. C'était à ma mère. Elle l'a donnée à mon père avant de mourir. Faye est morte. Je suis vraiment navré de l'apprendre. C'était une valeureuse guerrière. Et une femme admirable. Très bien. Alors, je suis d'accord pour améliorer la hache. Mais... on te l'a jamais demandé. C'est vrai, mais... connaissant ta mère... elle m'aurait supplié de réparer cet acte de vandalisme perpétré contre sa hache, par mon... frère. J'en étais sûr, t'es le frère de Brock. L'autre moitié de la marque est ici. Le nabot bleu est ton frère. Oui... mais je suis bien plus talentueux, je te le jure. Sur la tête de Freya. Ne dénature pas son travail. Contente-toi de le perfectionner. D'accord. Mais tu peux... tu peux la poser... par là-bas. Le manche non. Est... grâce... comme tu voudras. Je vais simplement... oh. Oh. Oh, c'est du sang séché. Oh. Sur quoi tu travailles? Oh, ça? Je l'appelle le Mont Sommet. Le pic de cette montagne recèle quantité de ressources rares. Quand je l'aurai creusé, il me faudra les redescendre. Et tu sais comment le réparer? Je n'en ai pas la moindre idée. Oh, ça me changera les idées.
Les pierres de résurrection sont disponibles dans l'atelier. Ok. Qu'une à la fois. Ok. On a acheté, voilà. Mais s'il le fait, dis-lui de recuire l'acier plus longtemps, s'il ne veut pas abîmer mon travail. Qu'est-ce qui a attiré ton regard? Allez, au plaisir! Voilà. Aïe. Je crois que je devrais plus t'aider. Ah d'accord, ça change de... Voilà.
Non, quelle espèce de dé. Non. Ça devrait être bon. Voilà. Quand des drones. Oh, ok. J'arrive pas à voir. Est-ce qu'on se rapproche de la montagne? Oui. Sois prêt. Une autre revenante. Atreus, suis-moi. J'arrive tout de suite. Là. Je voulais vraiment pas qu'on ouvre. C'est pas une malédiction qui va nous arrêter. Brassard des arcanes. Voilà. Ah, c'est pas ce que je voulais faire. Allez, amène-toi. Ça, on peut pas l'ouvrir. Tu penses que tu pourrais me laisser la porter sur la fin? Je t'ai déjà dit non. Pourquoi? Je tenais plus à elle que toi, de toute façon. Quoi? C'est juste que je passais plus de temps avec elle. T'étais souvent à la chasse. Tu ferais mieux de te taire maintenant. Les loups ont l'air malades! Allez, les limiter!
Défense 6. Ah mais je pars en force. Et là les affreux là. Hop, hop, hop. De glace. Symbole de vérité. Du pognon. Voilà. On a rien oublié, c'est bon.
comprends pourquoi maman voulait qu'on l'amène ici. En effet. Tu crois que Sindri sait que son monde sommet est pris dans les racines ici? J'en doute. Alors comment il va le réparer? Ce n'est pas mon problème. C'est de la fumée? Ne t'approche pas. Ah, qu'est-ce que c'est? On doit trouver un autre chemin. La sorcière! Si seulement elle était là, je parie qu'elle saurait nous faire passer. Ma magie est impuissante contre le souffle noir et on ne peut pas le contourner. Odin s'en est assuré il y a longtemps. Qu'est-ce que vous faites ici? Je veille à ce que tu puisses finir ton voyage. Pourquoi ne pas nous avoir prévenus? J'étais occupée à sauver mon ami. Tu te souviens? Le souffle noir est un puissant détournement de magie contre lequel je ne peux rien. Seule la lumière d'Alfheim est assez puissante pour le repousser. Mais la route est longue. Que signifie ce voyage à tes yeux? Absolument tout. Suivez-moi. Pourquoi nous aider? Peut-être que je me retrouve en toi plus que je ne voudrais le reconnaître. Peut-être... Peut-être qu'en t'aidant, j'espère me racheter de mes erreurs. Ou peut-être que je vous aime bien. Même si on a blessé votre ami? Même si vous avez blessé mon ami, oui. Où devons-nous aller? Dans un royaume, bien loin du tien. On va dans un autre royaume? Mais pareil, quoi. Seulement pour un temps. Juste pour un temps. Ouh, attends. On va se servir de ça. Greitha. On peut pas. Sindri a dit qu'il était cassé. Sindri? Le nain au pied de cette montagne. Il le réparait quand on est arrivé. Je n'ai vu personne quand je suis passée. Il avait peut-être fini. Les nains sont pleins de ressources. Et agaçants, en jugé par les deux qu'on a rencontrés. C'est vrai. Tourne ce levier. Là. Le temple de Tyr est au centre du lac. C'est là que se situe le passage vers Alfheim. Espérons juste qu'il ne soit plus sous l'eau. Que fait cette créature dans le lac? Nul ne le sait. Il est apparu un beau jour. Peu après, Thor l'a attaqué et leur combat a fait trembler tous les royaumes. Aucun des deux n'en est sorti vainqueur. Et Thor est reparti voir Odin les mains vides. Le serpent est resté, et il a grandi au point d'entourer tout Midgard. Tu vois, je te l'avais dit. Ils se détestent depuis ce jour. Et ils finiront par s'entretuer lors du Ragnarok. Vous croyez au Ragnarok? J'aimerais que ce ne soit pas le cas. Vous savez... On a parlé au serpent monde. Vraiment? Une exagération. Je suis douée pour les langues. Même celles que j'ai jamais entendues. Mais quand ils parlent, je comprends pas un mot. Personne ne le comprend, hélas. Ils parlent une langue morte. Oh. Il doit se sentir seul.
Regardez où vous marchez. Par ici. Vous êtes sûr? On est déjà passé par là et il n'y a aucun moyen de traverser. Vous voyez? Tu en es certain? Je vais te montrer quelque chose. Tu regardes bien? Léost! Hein? Il est solide! C'est de l'architecture elfique. La corde de mon arc a été baignée dans la lumière d'Alfheim. Grâce à elle, je peux ranimer la magie des elfes. Attendez, il va pas disparaître? Non, pas tant que la lumière brille sans entrave. Par ici. J'en veux une. Ces racines, de quelle magie s'agit-il? Celle d'Evan. De Vanaheim? Tu les connais? Seulement quelques histoires. Maman m'a pas dit grand-chose sur les dieux Van, à part qu'ils menaient une guerre perpétuelle contre les As. J'imagine que, comparé à Odin et Thor, ce sont les gentils. Il n'y a pas de dieu bon, Atreus. Je te l'ai déjà dit. Le temple de Tyr. Le grand Tyr l'a construit avec l'aide des géants. Et grâce à lui, il parcourait les 9 royaumes pour y maintenir la paix. Ils m'ont pas l'air très paisibles. Partout où on va, on se fait attaquer. Surtout par des morts. Les morts vivants sont de plus en plus nombreux. Autrefois, les routes et les chemins étaient couverts de gens. Aujourd'hui, ils ont fui ou ils se cachent. Seuls les pillards sont assez sauvages pour survivre dans ce monde. Tournez à droite au bas de ces marches. Tiens, encore un cristal lumineux. Attendez là, je vais ranimer la lumière. Léost. Ça a marché. Qu'est-ce qu'on fait exactement? On va réparer le mécanisme. Commence par soulever cet essieu. Bien. Maintenant, remets-le en place. Maintenant, aligne la roue sur le rail. Parfait. Et maintenant, pousse le pont le long du rail. Wow ! Tu fais tourner tout le pont ? Comment est-ce que tout le pont peut bouger ? Oh, t'es vraiment très fort! Pousse jusqu'à ce que le pont revienne dans sa position initiale. Tu fatigues? Non. Il a toujours été très fort! À propos de ces morts, on a entendu quelqu'un les appeler des Éléans. Qu'est-ce que c'est? Ce sont de pauvres âmes tourmentées qui ont été privées de jugement et de paix. Par qui? Est-ce que la magie d'Evan peut ressusciter les morts? Elle le pouvait autrefois. Mais il ne s'agit pas d'un sort. Ce fléau est le signe d'un déséquilibre dans notre monde. Quelque chose ou quelqu'un a perturbé de puissantes forces. C'est tout ce que je sais. C'est parfait! Remontez! C'est prêt! C'était très impressionnant. Tu t'es pas fait mal au dos, j'espère. Mon dos va très bien. À travers ces portes. Attendez, ce sont les géants ou les elfes qui ont construit le temple de Tyr? Toutes les races ont aidé à sa construction. Ce fut le dernier grand acte de coopération entre les royaumes avant que la paix disparaisse pour de bon. Léos. La corde de votre arc ne brille plus. Son pouvoir s'est épuisé. Il ne restait plus que quelques encoches de magie dans la corde et nous les avons toutes utilisées. Passe-moi ton arc. Quand vous aurez trouvé la lumière d'Alfheim, infuse ta corde de sa puissance. N'oublie pas.
Faut surtout pas trop tirer sur la corde. Vous parlez comme si vous veniez pas avec nous. Je vais essayer. Mais on a fait en sorte que je ne puisse pas quitter Midgard. Pourquoi ? Les dieux ne m'apprécient guère. On y est ? Il fait si sombre. Ce temple a dormi sous l'eau pendant presque 150 hivers. Il n'attend que la lumière du Bifrost pour revenir à la vie. Salle de passage entre les royaumes. Votre magie produit pas ce genre de racines. Elles sont différentes. Ce sont les racines du grand arbre monde. Elles permettent de voyager entre les royaumes. Comment ça fonctionne ? Tu auras besoin de ça, un Bifrost, pour passer entre les royaumes. Il emprisonne, retient et transfère la lumière d'Alfheim. Place le Bifrost ici. Doucement, Kratos. Et maintenant ? Sois patient. Le temple a besoin de temps pour s'éveiller de son long sommeil. C'est dans cette salle, et dans cette salle uniquement, que vous pourrez ouvrir le passage entre les royaumes. Ce que vous voyez représente le temple dans lequel nous sommes, ainsi que les tours des royaumes qui encerclent le lac des Neufs, dehors. Tous les royaumes existent dans le même espace physique, et sont le reflet les uns des autres. Ces portes, les tours là dehors, et les neuf royaumes sont tous entrelacés et coexistent sur les branches de l'arbre monde. Seule la lumière d'Alfheim les sépare. Cet endroit peut concentrer et contrôler cette lumière. Alors c'est ça l'arbre monde ? Non, ce n'est qu'une représentation artistique. Yggdrasil ne se résume pas à cela, il est bien plus. L'arbre monde est lié au destin du monde. Tout comme nous le sommes. L'arbre nourrit nos terres. La rosée de ses feuilles alimente nos vallées et nos rivières. Par son existence, l'arbre soutient toute la création le long de ses branches. Son énergie vitale se fond dans la tapisserie de la vie. Naissance, croissance, mort et renaissance. Tous ces fils transcendent le temps et transcendent l'espace. Et tout revient à l'arbre. Voilà. Cela fonctionne ainsi. Mais j'imagine que tu attendais une réponse plus pragmatique. Oui. Très bien. Le pont que tu as poussé dehors est positionné pour mener au royaume de Vanaheim. Maintenant, tourne la roue jusqu'à notre destination. Alfheim. Oh ! Est-ce que le grand pont dehors bouge en même temps ? Oui. La roue fait bouger le pont, et le pont s'aligne avec les différentes tours des royaumes sur le lac, dehors. Mais ce royaume n'a pas de tour. C'est pour ça que le voyage vers Jotunheim est impossible. Si le pont n'a pas de tour sur laquelle s'aligner, la séquence ne peut commencer. Chaque royaume dispose d'une rune qui débloque le pont y menant. Je te donne celle d'Alfheim. Tu peux choisir ta destination maintenant. Nous sommes prêts. N'oublie pas de suivre le Bifrost. Ne le perds surtout pas. Maintenant, le pont de passage va s'aligner. Et le monde entre les royaumes va s'ouvrir. Vous voyez ce cristal géant ? Chaque royaume possède le sien. Il concentre et amplifie le pouvoir du Bifrost et ouvre le pont vers le royaume. Voilà pourquoi le passage entre les royaumes n'est possible que depuis cette pièce. Et pourquoi est-ce qu'il manque une tour sur le lac ? La tour de Jotunheim a disparu de tous les royaumes il y a de cela plus de 100 hivers. Quand les géants ont quitté Midgard, personne ne sait où elle est passée, ni comment ils l'ont déplacée. Ça n'a pas marché. On est toujours là. Suivez-moi. Le Bifrost est noir. C'était son dernier voyage. Vous ne pourrez pas revenir tant que vous ne l'aurez pas rempli de la lumière d'Alfheim. Alors nous sommes coincés. Quelqu'un avec tes ressources n'aura aucune difficulté à revenir à Midgard. Et on pourra repousser le souffle noir ? Une fois que vous aurez la lumière d'Alfheim, oui.
Bienvenue à Alfheim, messieurs. Vous pourrez apercevoir la lumière. Je la distingue à peine. Ce n'est pas normal. Tu vois cette colonne de lumière au loin? Elle est située dans un temple en forme d'anneau. Ce qu'on cherchait là-bas. Non. Non, non, non. C'est pas vrai, pas déjà. Que se passe-t-il? Pour rétablir la magie du Bifrost, tu dois entrer dans la lumière. Mais prends garde à ne pas te faire piéger. Non, mais... Elle est pas morte, à vrai. Il y a peu de chance. Viens. Cet endroit est incroyable. Reste à côté de moi et ne touche à rien.